Eh bien bonjour à vous tous, c'est Nectal, j'espère que vous êtes tous très bien, et comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des défis ultime effort. Alors je sais qu'hier j'ai déjà fait une vidéo sur les défis ultime effort, mais je n'ai pas tout montré, toutes les possibilités de récompenses qu'on pourrait avoir. J'ai montré quelques petites photos, mais on peut les voir en beaucoup mieux. Les personnes ont réussi à les reproduire pour voir de l'avant à l'arrière des skins, et en plus on peut voir d'autres vêtements, par exemple de Taintina que je vous avais pas montré. Du coup je pourrais vous montrer beaucoup plus de trucs qu'hier, et j'espère que ces nouvelles informations, les défis ultime effort vont vous plaire. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 5000 sur la chaîne. Un grand merci aux personnes qui s'abonneront pour m'aider à avancer sur YouTube, et également n'hésitez pas à activer la cloche pour rater aucune vidéo. J'envoie une vidéo sur les informations de Fortnite tous les jours. Également, si on pouvait faire les 100 likes avant minuit ce soir, ça me ferait également super plaisir. Pour ceux qui veulent parler avec moi ou me poser des questions, mon Discord sera dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Alors pour ceux qui se demandent, les défis ultime effort, c'est des défis qu'on peut faire pour débloquer des revêtements de nouveaux skins qu'on a à chaque fois à la fin de chaque saison. On avait pu avoir des défis, il y a eu une saison, à la saison 7, pour avoir le nouveau pass de combat. Et là, ça sera des défis pour débloquer des revêtements des skins qu'on possède déjà. Les défis, on ne sait pas encore ce que ce sera, mais on sait les récompenses, qu'est-ce que ça pourrait être. Alors déjà, Brutus ne va pas être tout en blanc. Il aura son pantalon en noir et le haut en blanc qui pourra se transformer de temps en temps. Je vous mets une petite vidéo à l'écran. Je vous avais montré une photo hier, mais quelqu'un a réussi à reproduire Brutus quand on aura le nouveau revêtement de Brutus. Également, je peux vous montrer la banane qui sera également en blanc, et on pourra la mettre aussi en noir. Et Taintina qu'on pourrait avoir en vert. Je ne vous l'avais même pas montré hier, mais on peut enfin la voir. Quelqu'un a également réussi à le reproduire. Tous ces skins qu'on pourrait débloquer en faisant les défis seront disponibles la semaine prochaine, en début de semaine, soit lundi ou soit mardi. Pour ceux qui n'ont pas ces skins, je ne pense pas que vous pourrez faire ces défis. Vous pourrez les faire, mais vous ne pourrez pas débloquer les revêtements. Les défis d'ultime effort seront disponibles pour ceux qui ont acheté le pass de combat. Pour ceux qui n'ont pas le pass de combat, désolé, vous n'aurez rien à faire ni à débloquer. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et que je vous ai bien montré en détail les récompenses qu'on pourrait avoir. Je sais que je fais la même vidéo qu'hier, mais j'ai vraiment pas d'idée. Un gros merci aux personnes qui me donnent des idées d'informations à faire sur Fortnite. J'ai presque déjà tout fait, j'essaye de faire une vidéo pour vous chaque jour. Du coup je me suis dit pourquoi pas refaire ça, parce que on peut voir bien en détail les récompenses. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 5000 sur la chaîne. Un grand merci aux personnes qui s'abonneront, et n'hésitez pas à activer la cloche pour ceux qui s'abonnent. Si on pouvait faire les 100 likes avant midi ce soir, un grand merci aux personnes qui mettront un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre pseudo épique dans la description ou dans mon Discord qui sera dans les descriptions ou dans les commentaires de cette vidéo, ou si vous voulez juste parler avec moi sur Discord. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.